sur France 3. Vous allez assister à un nouveau numéro de Tous ces Go, l'émission qui vous fait chaud au cœur. Je ne vous en dis pas plus, vous comprendrez mieux tout à l'heure pourquoi je dis ça. Salut toi. Notre première séquence du jour commence avec un sujet tourné dans la poudreuse de Tignes en Savoie. Nous y avons rencontré Jérôme, moniteur de snowkite. Le snowkite, c'est tout simplement du ski tracté par un cerf-volant. Bon, pour le coup, en France, on a une petite longueur de retard concernant le snowkite, parce que les Suisses, par exemple, ils sont peut-être l'un à la détente, mais le snowkite, eux, ils en font déjà depuis 30 ans. Et on les comprend car c'est un sport des gens, un sport qu'il fait charmé de chez charmé. Tellement charmé que Jérôme, eh ben, il a décidé de tutoyer tout le monde. Eh ouais, c'est pas un sport d'amateur. Allez Jérôme, tu nous montres ce que t'as dans le ventre. Ouais. Bon. Rentrez, rentrez mes amis. Vous rentrez dans le royaume des stars. Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma, être acteur de cinéma, être aussi une star. Malheureusement, je ne suis pas acteur de cinéma. Et alors, pour me consoler, je me fais photographier avec les stars. Dans cette vitrine, il y a des milliers de photos où je suis posé avec des gens connus. Nous allons prendre l'album D. Vous avez Derrick, vous avez aussi David Douillet, vous avez Michel Denisot, Michel Drucker. Mon rêve, c'est de pouvoir avoir un jour une dédicace de Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, que j'aime beaucoup. C'est un grand monsieur. Et puis j'espère un jour que je serai invité au palais. Voici le bleu de travail, la coupe de champagne, le smoking bien sûr, le chien pour toutes les stars ménopausées qui sont là. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon le petit chien et tout. Comment il s'appelle? Il s'appelle Moïse. Hein, et grâce à lui, on peut rentrer. J'ai quand même beaucoup de chance parce que dans toutes les personnalités que j'ai rencontrées, ils sont tous adorables, gentils.